domina ana chimie ni noyé akwaye minke anya ke gela akoro nan sera ko ke bi mimbe o dikano mimbe nyega yela o kono me mimbe bi o ka gela ka sababu ke uye u sera ka jonya mi sara armadon jilia o jeli boto kibina ni oroya jilie che ti parlo ba ola yera uru ulila kana para minke upena kwa minka abison anga damre fransikana kana awala wala bamana kana nokera ni bukmana na ukaje déclaration d'appel sur le drapeau. Mesdames et messieurs, combattantes et combattants de la liberté, Allah soit loué, lui qui nous permet d'être des témoins privilégiés de ce jour solennel d'appel sous le drapeau. Au-delà de l'appel, ce document consacre aussi le cycle de la création du mouvement et le rendez-vous sur les remparts et les promesses réalisées avec courage et abnégation pendant un peu plus de 2 ans. Durant ce temps écoulé, le mouvement s'est effectué à donner les moyens, à se donner les moyens socioculturels, matériels, financiers et politiques pour mener à bon port les missions qu'il s'est assignées. Si le temps part assez court, on ne peut pas en dire autant pour le chemin parcouru. Il était épiné, infesté de toutes les formes de méchanceté humaine, en parlant des éléments qui ont charrié la criminalité transnationale vers notre pays. Ces hommes à la solde de la politique criminelle de la France n'ont plus rien d'humain. Sous le regard impuissant et complice des autorités d'alors, le Mali était plongé dans une situation chaotique où les villages entiers étaient brûlés. Le nombre de déplacés, de réfugiés ne cessait d'augmenter. Sans aucun doute, le tableau était tout sombre. L'air exigeait qu'on crée sur les fonds baptismaux un levier de sursaut national qui fut Yerewolo Dibou sur le rempart. Yerewolo qui veut dire être ici digne fils ou fille de la nation, demeurant fidèle à son appel pour se mettre debout sur le rempart face à des menaces ou des ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, pendant près d'un siècle, ces sentiments étaient dévoués à la France. Les Africains mobilisés pour délivrer la France de l'étreinte humanitaire du fait de la puissance militaire d'Allemagne lors de la première et seconde guerre mondiale chantait. Et nous avons au cœur une invincible ardeur quand nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds. Cette allégeance à l'ex-puissance coloniale était devenue la sève de la nouvelle politique africaine de la France. Ainsi, bon nombre des cadres africains, fidèles à ce principe, abdiquent à toute demande de l'Élysée en brayant sur les passages les intérêts supérieurs des États dont ils sont censés défendre la cause. Après l'intervention franco-britannique en Libye en 2011, le Mali, depuis 2012, est plongé dans une guerre d'agression coloniale, menaçant le minimum vital qui subsiste. Les autorités d'alors n'ont pas su se hisser à la hauteur des événements. Toutes les formes de barbarie ont été enjambées par les hommes venant de la Libye dans le seul but de diviser le Mali, cela avec la complicité, avec la bénédiction de la communauté internationale. La confusion était terrible, terrifiante, et provoquait ainsi le sentiment d'occupation de notre droit par les forces étrangères. Conscient du danger qui guettait la survie de notre nation, nous Maliens, jeunes leaders mobilisés et organisés dans les regroupements divers, ont décidé de mettre en place ce géant et influent mouvement dénommé Réolo sous les remparts le 19 novembre 2019 à Koulikoro, en fixant leurs objectifs suivants. Demander au pouvoir de maître de prendre sa responsabilité en lui accordant tout notre soutien. Stopper le sang qui coule à flot. Recouvrer l'intégrité territoriale nationale par le retrait des troupes étrangères. Mettre hors d'état de nuire les partenaires dont l'agenda est tout autre. Développer de nouvelles relations avec la Russie et d'autres partenaires fiables. Combattre tous les accords de piège entre le Mali et la France
instaurer les conditions de bonne gouvernance pour se mettre à l'abri de l'instabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, Yaraone debout sur la rempart a constitué un front large et uni pour mettre à mal la politique criminelle de la France, dont les taux se resserrent avec éloquence autour de l'Afrique en général ou autour du Mali en particulier. En outre, il fallait adapter les moyens de lutte à la justesse de la cause, en alliant avec sa conscience le peuple qui était pris entre les ténailles du sentiment d'abandon par la classe dirigeante incapable de nommer le problème et d'être attentif à la demande du peuple. C'est pourquoi, depuis le 19 novembre 2019 à Kourkouro, nous avons lancé un appel pressant à l'endroit du régime d'Ibeka qui précisait le choix entre le départ des troupes étrangères et son départ à lui-même. Cela a donné lieu à la grande manifestation du 10 janvier 2020. Si le régime avait ignoré et distrait à cet appel, il a eu un grand retentissement auprès de la population malienne et celle de la région du Sahel. Pour preuve, les voix se sont multipliées pour témoigner de la responsabilité de la France dans la crise au Sahel. Acculé, Emmanuel Macron a convoqué à une rencontre à Pau le lundi 13 janvier 2020 les 5 chefs d'État des pays du G5 Sahel pour clarifier leur position vis-à-vis de leur peuple. La déception fut grande. Les chefs d'État n'ont pas hésité d'étaler au grand jour leur incapacité de répondre aux besoins de leur peuple. Ainsi, Yaraone debout sur le rempart a étendu son influence partout en Afrique et dans le monde. Il est désormais l'un des plus grands mouvements panafricains qui suscite beaucoup d'espoir chez les peuples de l'Afrique. En prenant à ce sommet à Pau au sud-est de la France, le 10 janvier, nous, peuples de la région, avons décidé de rejeter en bloc toute décision lâche, voire contraire à l'expression de la volonté des masses, populaires, et revendiquant l'arrêt immédiat des pires de massacres par le retrait des forces étrangères dont les approches sont obsolètes, coûteuses et inefficaces. En réponse à la convocation des 5 États, des pays membres du G5 Sahel, et Yaraone debout sur le rempart, en collaboration avec les mouvements panafricains de la région, a organisé une contre-rencontre à Pau au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, dont les recommandations ont permis de créer une synergie d'action et de multiplier les efforts. Les actions se sont intensifiées pendant 5 mois, jusqu'à la création du mouvement M5-RFP, un mouvement qui a réclamé le départ pur et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui tombe finalement le 18 août 2020. Les militaires, sous la direction politique du Comité national pour le salut du peuple, ont pris leurs responsabilités pour venir grossir les rangs du peuple afin d'engager une véritable guerre contre les forces dispersives au Mali et dans le Sahel. Le mouvement Yaraone debout sur les remparts a su se faire distinguer par sa proposition de sortie des crises, qui appelle en général les peuples africains, et en particulier le peuple malien, à l'union sacrée pour faire face à ce complot d'invasion de la France et ses alliés. Il a réussi à satisfaire des besoins politiques, socioculturels et économiques, que rares sont les regroupements politiques qui y pensent, par peur d'être dans les collimateurs de la mafia mondialisée. Aujourd'hui, grâce à la par le concours de tous, le rêve de Yaraone debout sur les remparts est devenu une réalité. Les autorités de la transition, engagées sur la voie de la restauration de l'autorité de l'État depuis la chute des bandits le 24 mai 2021, posent les bases d'acier pour une véritable démocratie où la personne humaine est au centre de tout. Par ailleurs, malgré les sanctions de sabotage, des dissuasions pour galvauder la révolution citoyenne sous le leadership du mouvement Yaraone, les nouvelles autorités du Mali restent attentives à la demande du peuple qui aspire à la paix et à la sécurité. C'est pourquoi la transition n'a mélangé aucun effort pour souffler une vie nouvelle à la force physique, l'armée. La montée en puissance des femmes n'est plus un discours créé, mais plutôt une réalité. Pour le respect du principe d'égalité des États, au regard du droit international, la diplomatie malienne s'est refaite d'un drame majestueux pour le salut du peuple. Devenu allié naturel de la transition, Yaraone debout sur le rempart demeure vainqueur
de la guerre communicationnelle, diplomatique, politique engagée contre les ennemis du Mali. Toutes les couches socio-professionnelles se mobilisent enfin pour une transition réussie. Cela se traduit par le retour à l'ordre constitutionnel sécurisé. À présent, à la demande du peuple malien, Yaraolo Debussy le rempart lance à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, pétries de valeurs patriotiques, républicaines et démocratiques, l'appel sur le drapeau ce jour est 5 mars 2022. Certes, le chemin est encore long, mais nous osons croire à l'adhésion massive et volontaire à Yaraolo sur les remparts pour assainir le milieu politique longtemps dominé par les cadres feureux ouvriers à la sorte de l'impérialisme français. Cette adhésion n'aura de sens que lorsqu'elle se traduira par une volonté réelle de faire du Mali un État véritablement démocratique, une nation à vrai de faire, d'assurer des angles de sauvegarder, des angles qui constituent le ciment de notre société, d'assurer la continuité de la lutte par la prise effective du pouvoir par le peuple. Le combat contre l'impunité, l'injustice sera le socle du point de départ de la nouvelle étape de notre lutte. Yaraolo Debussy le rempart, les 5 mars 2022, Sidi Kouyaté, porte-parole.